Pantube. Ne bougez pas. Ne bougez pas tout de suite. Urban Tube avec Serben Nolo. M-Tune. Urban Tube. Corona me fait daber, mesdames, messieurs, c'est le titre de la chanson de notre second invité de ce soir. Une chanson qui déjà a des vues qui poussent et montent littéralement sur YouTube. Il fait la fierté de notre pays, il représente dignement la musique urbaine camerounaise, malgré les petits moyens et malgré les péripéties. Qui est M-Tune? Mesdames, messieurs, biographie signée par Luxandra Wandi, rédactrice en chef de Urban Tube. Issu de l'union entre un père d'Ebebda dans la région du centre Cameroun et une mère de Bafia dans la région de l'ouest de Cameroun, M-Tune est un jeune Camerounais passionné de musique urbaine. À la base, c'est un chanteur, mais au fil des années, il a su explorer d'autres domaines de la scène musicale, à savoir le coupé décalé et le rap. Parlons de son parcours musical. Depuis les années 2012, il a fait partie de plusieurs groupes à l'instar de Liente Key Music, avec qui il a produit le titre « Donne-nous le micro ». Sans oublier le groupe Lion Farouche, avec qui il a eu à produire le titre « À nous de prier ». En solo, il a sorti de nombreuses compositions, parmi lesquelles Les Billets et Coronada, qui est son tout dernier bébé, sa dernière composition. Il a fait plusieurs scènes depuis le début de sa carrière jusqu'à présent, à l'instar du Palais Polyvalent des Sports, en abrégé, Papouzi, les snacks, sans oublier les complexes scolaires. M-Tune est notre premier invité de ce soir. Bonsoir M-Tune et bienvenue dans le cadre de l'émission des auditeurs leaders Urban Tube. Urban Tube. Qu'est-ce que tu nous proposes également M-Tune de ton côté? Bon, je pense manger sous le beat de Blanche Bailey Argent. Blanche Bailey Argent. D'accord, on va écouter ça. En direct de votre émission Urban Tube, mesdames, messieurs, il s'appelle M-Tune. On s'écoute ça. Hey. Horizon 2000, ouais, les meufs sont prêts à tout pour ressembler à Blanche Bailey. C'est bizarre, mais elle veut une pizza remoniante. Qui peut l'amener chaque week-end à Pizza Roma? Si un jour elle écrit un roman, elle ne pourra jamais finir. Si un jour elle écrit un roman, elle ne pourra jamais finir. Bailey, dis-moi si je mens. Les filles de maintenant sont mathématiquement belles. Elles ont tous le même mot de passe que la beauté de l'homme se trouve dans la poche. Donc, Wabble King Cap, elle te... Tu résistes même, elle te bloque. Beaucoup de l'argent, beaucoup de cap, beaucoup de l'argent. Wabble qui cap, Wabble qui l'argent, beaucoup de cap, beaucoup de l'argent. Ok. Hey, Azonto money, Azonto money, Azonto money. Hey, Azonto money, Azonto money, Azonto money. Hey, Azonto money, Azonto money, Azonto money. Azonto money, Azonto money, Azonto money. Ça n'est pas la cousine de Marima, donc type, arrête ton racontage. Tu étais le premier à dire que sa beauté t'a pris en otage. Donc tu vas seulement supporter ses caprices. Elle t'écrit un mot de love story. Ton cœur fait boum boum, ton cœur fait boum boum. Hey. La gap. Mais quand elle va t'exposer un problème, Mola, hey. Ok. Rakatakutakuta ta ta ra, takutakuta ta, ta tête fera. Ta-ta-ta-ta. Beaucoup de Pantube. Beaucoup de l'argent. Wabble qui Wabble qui Beaucoup de cap. Beaucoup de l'argent. Ok. Cap. L'argent. Azonto money, Azonto money, Azonto money. Hey. Azonto money, Azonto money, Azonto money. Azonto money, Azonto money, Azonto money. Azonto money, yeah. Les concernés vont se reconnaître. Les non-conseillers vont partager. Les conseillers vont se reconnaître. C'est Zeuf de Zeuf de. Hey, l'argent. Numéro 1 cap. Urban Tube. Ok. Le Messi, le Messi. L'agent cap. Urban Tube. Il s'appelle M-Tune. Il s'appelle comment? M-Tune. Zef. En mode improvisation dans cette émission,
Je pose la question, l'inspiration est venue comment? Sur le coup? Ou bien c'était un texte déjà écrit à la base? Bon, en fait, cet instrumental, j'avais très bien écouté ça. Écoute, il y avait aussi un challenge par rapport à... Ouais, il y avait un challenge. Oui, il y avait un challenge. Il y a la période où Bailey a aussi le challenge concernant le son, le cap et tout. Ça a chauffé, ça a buzzé, frère. Et t'as sorti également ta part de... J'avais posé un truc dessus. Donc tu avais participé au challenge. Oui, j'avais participé, mais je n'avais pas posté le challenge. Je n'avais pas posté le truc. Parce que je ne pouvais pas poster le truc parce que j'avais aussi un son dans le même sens. Ah, d'accord. Oui. Je ne pouvais pas poster le son, le remix de Blanche Bali. Oui. Mon clip devait être posté après. Plus tard, Là, on allait se dire qu'elle t'avait inspiré ou bien un truc comme ça. Donc ça veut dire que dans les deux cas, tu t'es inspiré de Blanche Bali. Non. Qu'est-ce qu'on retire? Mon truc a eu trop de problèmes. Ça devait être dehors depuis. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. UrbanTube, de lundi à vendredi, 18h, 20h.